Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal, tout de suite et titre. Les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'état édition 2020-2021 ont débuté ce lundi sur toute l'étendue de la République. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a lancé officiellement les épreuves des examens d'état. Et puis, entre-temps, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire a lancé les travaux préparatoires des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Un moment important pour mettre en œuvre des réformes courageuses, notamment l'application du système LMD. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h. Au siège de la Chambre allemande du commerce et de l'industrie à Berlin, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec les dirigeants de la firme allemande Veridos qui cherche à investir ici en République démocratique du Congo dans le secteur de l'éducation nationale. Kibambe Somwe et Roger Dieye pour le reportage. En marge du déjeuner de travail organisé en son honneur à Berlin par le président de la Chambre allemande du commerce et de l'industrie, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec les responsables du groupe allemand Veridos, désireux d'investir en République démocratique du Congo dans les secteurs de l'éducation nationale. Présent au cours de cette entrevue, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, donne un aperçu de cet investissement. Avec ce groupe, cette firme allemande Veridos, qui voudrait investir chez nous dans les cadres de l'identification des élèves et nous transférer leur technologie au travers les services d'identification des élèves CERNI, et nous transférer leur technologie pour que nous puissions, dans les années qui vont suivre, continuer à nous prendre nous-mêmes en charge. Et ce contrat-là a été rejeté par notre ministère dans un premier temps parce qu'il n'était pas compatible avec la réforme phare sur la gratuité de l'enseignement. Alors, comme nos amis de Veridos y tiennent, nous sommes répartis sur de nouvelles bases avec un nouveau projet qui inclut également l'identification des enseignants pour éviter effectivement cette affaire d'enseignants fictifs et même des écoles fictives. Et nous avons travaillé ensemble avec eux selon notre vision, selon les orientations du président de la République et les axes prioritaires du gouvernement. Et il nous reste maintenant l'étape de la signature. Le contrat n'est pas encore signé, mais comme vous le savez, avec la loi sur la passation des marchés publics, nous sommes dans les partenariats publics-privés. Nous devons attendre l'avis des non-objections qui viendraient, n'est-ce pas, de l'instance de contrôle a priori de tous les marchés publics. Si l'avis est donné en ce moment-là, nous pouvons maintenant signer le contrat avec Veridos dans la nouvelle version que nous avons imposée et selon la législation congolaise, et nous allons évoluer. C'est comme ça que ce groupe allemand a profité du passage du président de la République ici pour nous associer et en parler, et c'est ce qui vient d'être fait. Avec Veridos, l'on pourrait notamment trouver une solution à l'épineuse question de maîtrise des effectifs des enseignants en RDC. Cette entreprise est parmi tant d'autres firmes allemandes déterminées à investir au pays. Le fruit de la coopération agissante du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je l'ai dit au sommaire, le Premier ministre a procédé ce lundi au lancement officiel des épreuves des examens d'État édition 2020-2021. Après avoir déballé le pli contenant les items, Jean-Michel Samalou Kondé a encouragé les élèves finalistes à fournir des gros efforts pour la réussite, car demain, ils seront appelés à occuper des postes de haute responsabilité. Patito Ongangou et Marcel Mbenga pour le reportage. C'est parti pour 4 jours des épreuves de l'examen d'État, édition 2020-2021. L'Institut Lumumba, dont la comité limitée a été choisie par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge pour le lancement officiel de ces épreuves qui sanctionnent la fin du cycle secondaire. Au total, 835 000 finalistes sur toute l'étendue du territoire national prennent part à cette session. Ce premier jour a été consacré à la culture générale.
le chef du gouvernement, sous les acclamations nourries des élèves, a fait son entrée à l'Institut Lumumba. Après les mots de bienvenue des finalistes, Jean-Michel Samalukonde Kienge a déballé les paquets des items sous plis scellés. Le premier item a été remis à un finaliste, façon de dire que le go est donné. En tant que chef du gouvernement et père des familles, le Premier ministre a encouragé les finalistes et prodigué des sages conseils à ceux qu'il qualifie de futurs médecins, juristes et pourquoi pas Premier ministre et président de la République, tout en leur signifiant que c'est un tournant décisif de leur vie qui vient de commencer. Jean-Michel Samalukonde Kienge s'est dit ressentir la même peur qu'il avait en 1996 devant les épreuves de l'examen d'État, mais qu'il l'avait bravé et tout s'était bien passé. Aussitôt après, il a mis les caps sur les salles des classes. Les chefs du gouvernement, en compagnie de la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Aminata Namasia, a procédé à la distribution des items. On est venu pour encourager nos enfants qui vont passer ces épreuves. Ça a été une année difficile parce que perturbée par la pandémie à Covid-19. Mais heureusement, nous sommes parvenus grâce à la détermination du gouvernement, mais aussi grâce à l'encadrement du ministère de l'enseignement primaire, technique et secondaire, de sorte que nous puissions aujourd'hui avoir ces épreuves d'examen d'État. Et donc nous sommes fiers d'avoir répondu à cet appel qu'avait fait Son Excellence Monsieur le Président de la République, de sauver cette année et de permettre que nos élèves puissent présenter leurs examens d'État. Le chef de l'exécutif national a salué la bravoure des enseignants pour l'encadrement des élèves et de tous les personnels œuvrant dans les secteurs pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. La troisième vague de la Covid-19 n'a pas eu raison sur la détermination du gouvernement à organiser l'examen d'État édition 2020-2021, pari gagné pour le gouvernement parce que le calendrier aménagé a été bel et bien respecté. Et là, le Premier ministre vient de donner le go des 4 jours des épreuves de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les élèves vont affronter la culture générale. Depuis Institut Lumumba de Limete, Patsy Tondwangu Kizunda pour la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Merci Patsy Tondwangu. Et puis démarrage du jury national des sciences techniques nationales ce lundi 30 août à travers le territoire national. La vice-ministre de la Santé a donné le coup d'envoi à partir du centre hospitalier de la clinique quinoise dans la commune de la Gombe. Rodépanda. Début pour le jury national des items EIM édition 2020-2021. Le coup d'envoi a été donné le lundi par la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumankulu, à la clinique quinoise. C'était en présence de l'inspecteur général de la Santé, Komba Djeko, et des directeurs de la 6e direction en charge de l'enseignement des sciences de santé, Josué Désiré Bapitani. Près de 8000 apprenants finalistes des instituts d'enseignement médical et des instituts techniques médicaux prennent part à ce jury national. Ils sont répartis en 129 poules de santé. La vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumankulu, a encouragé les apprenants finalistes à bien travailler afin de rejoindre la grande famille infirmière. Elle a également remercié la JICA, coopération japonaise, pour leur appui logistique à ce jury national. Nous devons préparer la relève de ceux qui sont en service. Et cette relève passe par une formation. Et c'est là où nous voulons évaluer les produits que nous voulons mettre sur le marché afin qu'ils puissent encore aider et travailler dans la communauté, pour la communauté. Véronique Kilumankulu a également procédé à la distribution des masques et gel alcoolique aux élèves afin qu'ils se protègent contre la Covid-19 pendant cette période de passation du jury national. Réunion mixte ministère de la recherche scientifique et innovation technologique avec le gouvernement provincial du Haut-Katanga autour de l'exploitation clandestine de la mine uranifère de Chikolombwe. Au cours de cette rencontre, des résolutions urgentes ont été prises pour la sécurisation de ce site fermé et interdit d'exploitation depuis 2004 à cause de la radioactivité. Marie Calang pour le reportage.
Voilà, le jury national pour les épreuves des instituts techniques médicales et ISTEM a été lancé le 30 août sur toute l'étendue du territoire national à Kinshasa. La capitale, la vice-ministre de la Santé publique était sur le site de la clinique kinoise pour donner le coup d'envoi. Dans l'entretemps, la ministre provinciale de la Santé a supervisé le déroulement sur le site de Kitamboro Dipanda. Lancement du jury national des finalistes des instituts techniques d'enseignement médical ce lundi 30 août 2021. Il va durer 4 jours. À l'instar du vice-ministre de la Santé du gouvernement central, Lisa Nembalemba, ministre provinciale de Kinshasa en charge de la santé, était sur le site de Kintambo pour y donner le coup d'envoi, organiser des épreuves écrites pour différentes filières, le sciences infirmières, accoucheuses, techniques d'assainissement et de laboratoires, pharmacies sont organisées. 1170 finalistes répartis dans 5 poules de la ville de Kinshasa vont participer à ces épreuves, à savoir ITEM Kinkole, Njili, INPS Kinkole et Kintambo. Lisa Nembalemba, ministre provinciale de la Santé de Kinshasa, a encouragé ces finalistes de donner le meilleur d'eux-mêmes et faire de bons résultats pour qu'une fois dans la profession, savoir sauver les vies humaines. Après Kintambo, Lisa Nembalemba est passée aussi sur le site de l'UNPS. Des masques ont été distribués à ses finalistes pour observance des mesures d'hygiène contre le Covid-19. Je disais donc, réunion mixte, ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique avec le gouvernement provincial du Haut-Katanga autour de l'exploitation clandestine de la mine uranifère de Chikolomboué. Au cours de cette rencontre, des résolutions urgentes ont été prises pour la sécurisation de ce site fermé et interdit d'exploitation depuis 2004 à cause de la radioactivité. Marie Calong pour le reportage. Construction d'une clôture en fil barbelé à charge de la GECAMINE, installation des caméras de surveillance et renforcement des effectifs des agents de sécurité, autant de mesures prises pour la sécurisation efficace de la mine uranifère de Chikolomboué qui constitue un danger permanent à cause du niveau élevé de la radioactivité. Ces résolutions ont été prises à l'issue de la réunion mixte ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, gouvernement provincial du Haut-Katanga en vue d'empêcher aux exploitants clandestins d'y pénétrer. Le ministre provincial des Mines du Haut-Katanga s'est exprimé en ces termes. Le ministre national de la Recherche scientifique et le gouverneur de province ont décidé à ce que certaines mesures soient prises, notamment la clôture de ce site à l'immédiat et puis une autre descente est envisagée ensemble avec les autorités de la GECAMINE pour qu'il y ait une confrontation sur le terrain en dehors de ce mouvement qu'on a fait avec le gouverneur de province va encore conduire une autre délégation avec la GECAMINE parce que c'est tout un processus. Ces mesures interviennent 2 jours après la visite du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangu, à la mine de Chikolomboué, à la suite d'une alerte lui lancée par les responsables de la Générale des carrières et des mines et de la société civile. La délégation du ministre était constituée des experts du CGA, du CNPRI et du CERGEM. Les conférences budgétaires pour l'élaboration du projet de loi des finances de l'exercice 2022 a débuté ce lundi ici à Kinshasa. L'hôtel de ville de Kinshasa invite les membres de son gouvernement à veiller aux mesures d'accroissement des recettes de l'État dans le secteur économique pour permettre le bon développement du pays. Suivez. 2022, une année décisive pour la République démocratique du Congo et la ville de Kinshasa qui organise les Jeux de la francophonie, ce qui impose à la ville capitale de se doter d'un budget fiable et susceptible de refléter les politiques publiques essentielles vis-à-vis desquelles les Kinoises et Kinois sont demandeurs. Les conférences budgétaires sont un moment important du processus budgétaire car elles permettent primo de garantir la cohérence des politiques publiques avec les programmes d'action du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Secondo, de refléter les interventions publiques identifiées à cet effet dans les diversités. Tertio, d'obtenir l'adhésion de l'ensemble de la population ainsi que des acteurs étatiques et non étatiques à travers la participation active de la société civile. Les conférences budgétaires pour l'élaboration
du projet dédit budgétaire 2022 lancé à Kinshasa avec l'appui du COREF Profit Congo et la Banque mondiale vont se pencher sur les priorités en termes d'assainissement et des conditions de vie de la population quinoise. Il y a une mutation, hein, on demande la bonne gouvernance. Nous faisons un budget qui soit transparent et responsable pour que les personnes qui vont l'exécuter soient également responsables. Kinshasa, plus précisément dans la commune de Mbandalunga, pourrait revêtir de sa plus belle robe d'attente. Pour ce faire, l'autorité provinciale a décidé de mettre les bouchées doubles pour rendre, pour plutôt évacuer les épaves et véhicules abandonnés sur les avenues. Les vendeurs et les kiosques qui joncent le long des artères seront également enlevés avec le concours de la police nationale congolaise. Lisette Mujinga et Thomas Basilo. L'accent a été mis le week-end dernier sur l'évacuation des épaves des véhicules abandonnés, des vendeurs et des kiosques sur les artères principales de la municipalité et au commissariat de la police nationale congolaise dans le cadre du programme Kinobopeto dans la ville province Kinshasa. L'autorité municipale de Mbandalunga, Bailon Thierry Gaïbéné, s'est munie pour ses opérations d'assainissement d'un véhicule de remorque qui a effectué plusieurs rondes dans quelques quartiers de Mbandalunga, particulièrement la place phare de Kimbondo Moulard au quartier Lumumba. Nous avons continué la sensibilisation à la population et à la police. Ce sont des sanctions que nous allons commencer à sanctionner puisqu'on a fait beaucoup de sensibilisation. Et nous-mêmes, nous parlons, les chefs de quartier, les chefs de rue, hein, on doit respecter l'environnement. On ne peut pas détruire l'environnement. Le bourgmestre a clôturé ses activités de Kimbopeto par les quartiers Bisengo et Adula en passant par l'avenue Boula reliant les deux quartiers où les caniveaux ne sont pas entretenus. Un immeuble en construction a provoqué des fissures sur la maison voisine. Ils ont fait le choix de rompre avec la vie de délinquance. 250 jeunes appelés communément Clouna vont entamer une nouvelle vie loin de la drogue. Et pour marquer cette rupture, une randonnée a été organisée le week-end dernier. Une initiative de l'ONG Interaction avec l'appui de la Fédération mondiale contre la drogue. Edith Chala pour le reportage. Pour la plupart d'entre eux, c'est une première. Excursion en scellé, une belle journée de détente. Tout est prévu, mais cette journée marque également la rupture avec leur vie intérieure. Une vie de délinquance, de toxicomanie, la vie des Kulouna. Ceci est le résultat d'un travail de longue haleine abattu par l'ONG Interaction qui a assuré pendant des mois un accompagnement psychosocial de 250 jeunes dits Kulouna avec l'appui de la Fédération mondiale contre la drogue à travers le projet Jeunesse sobre, communauté plus saine, financée par la coopération suédoise. Dans le cadre de l'accompagnement de ces jeunes, qui sont considérés aujourd'hui comme des ex-Kulouna, il s'agissait d'un accompagnement mental et psychosocial. Et à la fin de ce processus, il fallait organiser cette sortie récréative qui consiste en fait à mettre fin à la vie passée pour entrer dans une nouvelle phase de vie. Au moment où je vous parle, ils sont déjà rémunérés dans le cadre de l'assainissement. Alors ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous allons continuer parce que dans la deuxième année, il y a plusieurs autres activités qui sont prévues. Ce projet est fait dans le sens de créer des emplois pour les jeunes. Nous sommes venus appuyer dans ses efforts de pouvoir récupérer ces jeunes parce qu'on considère qu'on ne peut pas laisser toute la tâche à l'État. Nous sommes venus dans ce cadre-là. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Jeunesse justement pour faire un programme qui va intégrer cet aspect, c'est-à-dire lutter contre la urbaine, mais trouver de l'emploi à ces jeunes et les récupérer pour une vie normale. Particulièrement la commune de Kinshasa qui était la commune pilote, mais avec des incidences sur Barumbu, Kinshasa ainsi que Sembao. Les prochaines communes, en fonction des moyens que nous aurons, nous sommes en train justement de vouloir l'étendre. Déjà les communes voisines de Kinshasa, Barumbu, Lingwala, mais Makala aussi est déjà touchée, Ngalema aussi est déjà touchée. Nous avons pour objectif, si nous trouvons plus de moyens, d'aller pratiquement dans autant de communes qu'on le pourra à travers la ville de Kinshasa. Kulouna, Bombé, ça c'était hier. Aujourd'hui, le regard est tourné vers un avenir plus sobre. Et puis la vice-ministre de la Santé publique a visité le centre biomédical Saint-Raphaël de la Fondation Pongwe. Ce centre de dépistage de la COVID-19 disponibilise les résultats dans moins de 30 minutes. Un partenariat public-privé a été signé avec le gouvernement de la République. Pour la vice-ministre de la Santé, il est important d'encourager cette initiative purement congolaise. Suivez. La lutte contre la COVID-19 est une affaire de tous. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, le gouvernement avait signé le 30 novembre dernier un contrat de partenariat avec le laboratoire biomédical Saint-Raphaël de la Fondation Maison Pongwe
pour le dépistage du coronavirus. Ce laboratoire, situé dans la commune de La Gombe, existe depuis 10 ans. Il offre au public un centre de test Covid sécurisé dont les résultats sont disponibles dans les 30 minutes qui suivent. Le ministre a dit, d'ici la semaine prochaine, ils vont venir installer un logiciel où nous allons commencer à délivrer le pass sanitaire pour permettre à nos voyageurs, quand ils vont partout au monde, pour qu'ils n'aient pas de problème. La vice-ministre de la Santé publique, Véronique Kilumba, s'est rendue sur les lieux pour voir de visu le fonctionnement de ce laboratoire. Sur place, elle a reçu des explications du président du centre, Onesifor Pungwe, qui lui a fait savoir qu'à partir de ce laboratoire, toute personne testée pourra avoir une carte sanitaire pouvant lui permettre d'effectuer des voyages. Nous avons mis à leur disposition les personnels qualifiés pour qu'ils puissent les accompagner, pour qu'ils puissent les aider dans l'exercice de leurs fonctions. C'est dans le cadre des partenariats publics-privés. Pour l'instant, le pays n'en compte que deux reconnus en matière de détection de la Covid-19, à savoir l'INRB et le laboratoire biomédical Saint-Raphaël de la Fondation Maison Pungwe, une œuvre purement congolaise. Émerveillée, la vice-ministre s'engage par le biais du gouvernement d'appuyer ce genre d'initiative. Il a utilisé une approche méthodologique appropriée pour prouver que les variables rentabilité économique, taille et âge de l'entreprise influent positivement sur la décision d'octroi de crédit aux entreprises par les banques. Le docteur Nelson Ifeka a soutenu sa thèse après une recherche menée au cœur de métier des banquiers. Yvette Makoutima. L'objectif de sa démarche scientifique consistait à identifier les éléments décisifs qui influent sur la décision des banques congolaises à octroyer les crédits aux entreprises. Après une analyse économétrique sur base des états financiers certifiés de plusieurs entreprises, le chercheur Nelson Ifeka a couché ses résultats en forme de thèse à l'école doctorale de l'Université protestante au Congo UPC. Selon ses résultats, les variables rentabilité économique, taille et âge de l'entreprise influent positivement sur la décision d'octroi des crédits, techniquement appelé levier d'endettement. Face aux membres du jury, le chercheur a démontré noir sur blanc que les variables garanties présentées par l'entreprise à la demande des crédits et la qualité des gestionnaires n'influent en aucun cas sur les leviers d'endettement. Le promoteur de la thèse a souligné la particularité de cette recherche faite essentiellement sur la clientèle de la banque. Un sujet donc au centre du métier des banquiers. Après des heures d'échanges et une délibération à huis clos, le jury a reçu avec mention grande distinction. Le désormais docteur et professeur Nelson Ifeka Bonkomo a reçu sa toge et s'est fait poser les toques par les recteurs de l'UPC au grand plaisir des familles, amis et membres de la communauté estudiantine de l'UPC. Nelson Ifeka Bonkomo a accumulé une large expérience en matière de banque avant de se lancer dans l'enseignement. En séjour dans la ville de Goma, plus précisément dans le Nord Kivu, le président de la dynamique Kitenge Yesu a organisé un séminaire agricole à l'intention des jeunes entrepreneurs dans ce secteur. Pour les organisateurs, ce séminaire va permettre aux participants de se prendre en charge. Après 3 jours de formation, Mike Kitenge est allé aussi visiter les femmes démunies bloquées pour non-paiement des frais hospitaliers. Rodépanda. À l'aéroport international de Goma, le membre du parti La Dynamique Kitenge Yesu et ceux de forces sociales et politiques alliées à l'UDPS étaient nombreux pour accueillir Mike Kitenge en séjour de travail à Goma, dans la province du Nord Kivu. Ces déplacements n'étaient pas du tout repos après les temps. Des émotions et multiples souffrances qu'ont enduré les habitants de Goma, souffrances causées par l'éruption volcanique de Niragongo. Aujourd'hui, cette ville se reconstitue peu à peu, avec l'aide de tous les gomatraciens et des partenaires. Mike Kitenge, président de la dynamique Kitenge Yesu, a plutôt pensé à la vie et aux activités de jeunes entrepreneurs du secteur agricole. Il a organisé un séminaire de 3 jours pour renforcer les capacités des bénéficiaires, une façon de rendre utiles ces jeunes entrepreneurs agricoles. L'agriculture permet aussi d'éradiquer la pauvreté, vous savez. En occupant nos populations, nous les rendons utiles et intelligentes. Il faut soutenir la vision du chef de l'État.
C'est une bénédiction d'avoir un président tel que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les intervenants à ce séminaire venus de la Belgique, de l'Allemagne, de la France et de l'Angola, ainsi que les formateurs locaux du Nord et Sud Kivu, ont mis les bouchées doubles pour rehausser le niveau des séminaristes. Mike Kitenge, qui a présidé la clôture des travaux le 28 août 2021, a procédé à la remise des brevets aux participants avant de visiter l'hôpital général de référence de Goma. Là, il a payé les frais d'hospitalisation de quelques patients, beaucoup plus de femmes, bloquées par manque des frais d'hospitalisation. Tués, déplacés ou tombés au front, des centaines de milliers de personnes sont portées disparues à travers le monde et leurs proches restent sans aucune nouvelle d'eux. Une journée spéciale leur est dédiée tous les 30 août de chaque année suivie. Les disparus sont à l'honneur les 30 août de chaque année. Plusieurs cimetières ne consacrent pas un espace spécifique pour les morts dont les corps ne sont jamais retrouvés. À la nécropole entre terre et ciel, il existe un mémorial des disparus où les familles peuvent rendre hommage aux êtres chers. L'administration de l'ETEC et les directeurs provinciaux de la Croix-Rouge n'ont pas dérogé à cette règle. Quand nous avons commencé à imaginer ces cimetières, nous sommes dit, on tiendra compte de tous les concepts qu'on a pu voir ailleurs. Alors c'est ce que nous sommes partis de l'idée, surtout des disparus. Étant donné que moi-même j'ai milité dans certains pays sur les disparus, qui étaient les disparus forcés, et ici nous sommes dit, nous allons étendre cette notion de disparus à ceux dont on ne retrouve plus le corps par noyade, par crash d'avion ou... La personne est partie, on n'a jamais su. La RDC est aujourd'hui régie par une loi de 1914 qui stipule que les cimetières, une fois fermés, devraient être désinfectés. Malheureusement, la situation est telle que ces endroits sont spoliés ou lotis pour les constructions d'habitations au risque des maladies. Certaines familles l'ont compris et ont érigé des sépulcres sur les tombes de leurs. On avait perdu notre frère à nous. Dans l'année 1989. Mais 32 ans après, on constate que les lotissements sur lesquels, ou les cimetières sur lesquels il était enterré, étaient devenus un lotissement. Les maisons poussent jusqu'à telle enseigne que nous avons perdu trace de l'endroit où on l'avait inhumé. Dans les us et coutumes africaines, voire bantous, les morts méritent respect dans leur repos éternel. Il faut donc y penser et adopter un comportement digne. C'était un reportage de Constance Mananga. Et puis ce communiqué nécrologique pour boucler ce journal. La famille Mbiye Moulaya ainsi que la communauté Cité Bethel ont la profonde douleur d'annoncer la mort inopinée du révérend apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, visionnaire de la communauté Cité Bethel, décès survenu ce lundi 30 août 2021 à minuit à Paris en France. En attendant le programme, le secrétariat général de la communauté Cité Bethel invite tous les pasteurs responsables dans différents districts à suspendre toutes les activités dans leur église et leur demande d'entrer en contact avec la direction du district de leur province respective afin de connaître les lieux indiqués pour le recueillement ainsi que les dispositions irrelatives. À Kinshasa, le recueillement se tient à l'assemblée centrale de l'église Cité Bethel au croisement des boulevards Lumumba et Sendwe, numéro 6170 à Limetefuna, tous les jours de 8h à 21h. Ce communiqué tient lieu de faire part. Il est signé Révérend Pasteur Moïse Mbiye, secrétaire général permanent. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir, 20h. Françoise Bouella revient sur ce plateau pour la grande édition de 20h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.